Il est d'accord avec Laurent Fabius, déclarant en 2003 au congrès du Parti Socialiste « Quand la Marianne de nos mairies prendra le beau visage d'une jeune Française issue de l'immigration, ce jour-là, nous aurons franchi un pas en faisant vivre pleinement les valeurs de la République. » Les valeurs de la République, c'est beau comme du Marine Le Pen. Une communauté qui sera européenne, non, la France ne sera pas algérienne, non, l'Europe ne sera pas africaine. Vive la résistance, vive la liberté, vive la libération de la France et de l'Europe. Oui, je suis fier d'être français. Oui, je suis fier d'être parmi vous aujourd'hui, vous l'avant-garde de cette France sans concession. Alors, je préviens les vampires de la finance internationale. Vous avez beau mondialiser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Je vous demande, ensemble, de reprendre ce qui est notre âme et notre raison, notre épée et notre bouclier, en un cri de guerre, en un cri de liberté, en un cri d'espoir. France ! 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 France !
Socialiste par la partouze, et lui aussi pour le mariage gay. Imaginez-vous une seconde que cet homme puisse être un champion de l'égalité, lui qui pense que parce qu'il est milliardaire, avoir le droit de forcer des femmes de ménage. Mais il y a pire, parce qu'avec eux, il y a toujours pire. La fraternité, mot pourtant issu de fratrie, qui veut dire sang, nation, famille, qui veut dire aussi et surtout solidarité des nôtres, a été transformé par ces crânes débiles en solidarité des autres. Cela signifie que le peuple français finance contre lui, contre ses propres intérêts, une véritable armée de réserve du grand capital, l'immigration. Face à ces attaques, face à cette folie devenue loi, il ne reste pour sauver notre pays que le bon sens et la force populaire. Nous pouvons tous jurer que notre force sera votre loi. Ces hommes qui ont l'étoffe des héros, comme ces anciens des guerres d'Algérie et d'Indochine, pour qui honneur et fidélité ne sont pas des vains mots. Sainte Jeanne d'Arc, priez Dieu de nous entourer de femmes généreuses et dévouées, des mères, des sœurs, des filles, des épouses, promptes à épauler, soutenir, encourager les hommes qui se battent au service du bien commun. Rose nationale, droite, gauche. Rose nationale, droite, gauche. Rose nationale. On est chez nous, on est chez nous. Paris du président, Paris du président, Paris du président. Intéressé au maréchal Pétain, bon, c'est un autre monde, contestable, critiquable. Vous faites partie du bureau exécutif, donc vous serez. Donc, on dit que vous allez devoir fonctionner quand même. Il faut toujours les mettre.
heure de crise où tant de choses nous divisent, nous pourrions saisir cette occasion de nous retrouver unis de nouveau autour de cette lointaine et pure incarnation de la patrie, autour de Jeanne d'Arc qui, la première, voulut que la France fût aux Français dans un sens auquel tout le monde peut souscrire. Pas de démocratie chrétienne ou de toute autre construction idéologique. On fait appliquer les lois du royaume. Un Français a été assassiné. Je vous propose de faire une minute de recueillement et de méditer cette phrase de Maurice Pujol, écrite en 1898. Il me semble qu'en cette heure de crise, où tant de choses nous divisent, nous pourrions saisir cette occasion de nous trouver unis de nouveau autour de cette lointaine et pure incarnation de la patrie. Autour de Jeanne d'Arc, qui la première voulu que la France fût aux Français dans un sens auquel tout le monde peut souscrire. Notre hommage annuel à notre sainte, la sainte patronne de notre pays, Sainte Jeanne d'Arc, qui donna sa vie pour la France, pour qu'elle continue sa mission de fille aînée de l'Église. Cette année,
ce défilé sera aussi marqué, cette fois-ci, par un deuil, le deuil de la France, de la véritable France, deuil suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Paris, c'est le cœur de la France. L'île de la Cité, c'est le cœur de Paris. Et Notre-Dame est le joyau de la civilisation, un des joyaux en tout cas de la civilisation chrétienne, et qui symbolise justement combien la France a été catholique, comment notre Seigneur a régné sur notre pays. Au-delà de nos querelles, au-delà des guerres qui se passent sur cette terre, en toile de fond, tout se ramène à une lutte gigantesque entre deux forces. Tout d'abord, la haine de Satan, le diable, qui veut se venger de Dieu, qui essaye de le salir, non pas bien sûr en lui-même, le démon est impuissant pour atteindre le bon Dieu. Alors, qu'à vos côtés, il mène sans relâche le combat que vous avez entrepris contre le mal. Protégez-les afin qu'ils n'abandonnent jamais les intérêts de Dieu et qu'à leur exemple revalorise dans notre beau pays les vertus chrétiennes et la paix du Christ. Yeah.
Chassons le grand Thoriot du gouvernement. Chassons le grand Thoriot du gouvernement. Chassons le grand Thoriot du gouvernement. S'est toujours très très bien déroulé, hormis l'interdiction durant la Seconde Guerre mondiale par la Gestapo. Actuellement, la préfecture de police, nous sommes en négociation avec eux parce qu'ils aimeraient nous infliger une peine du fait d'avoir gagné l'ensemble de nos procédures, voilà, et souhaiteraient qu'on fasse notre rassemblement derrière la statue de Jeanne d'Arc. Donc on voit Jeanne d'Arc de dos. Évidemment, nous ne verrons pas Jeanne d'Arc de dos. Évidemment, nous honorerons Jeanne d'Arc face à elle. Une tradition nostalgique, mais une marche, une vraie celle-là, une mobilisation constante malgré les embûches d'une République chaque jour qui s'est passée. Reste sur La royale. Alors, rectifiez la tenue. Les couvre-chefs. Retirez les couvre-chefs. Hein. Français, nous voulons une France, mais à la France, il faut un roi. Action ! Française ! Action ! Française ! Action ! Française ! Et pour que vive la France ! Vive le roi ! Dispersion.